Ibrahim Ouattara. Dans la chute de réparation, belle passe pour un but. Passe pour Kone Soumana qui inscrit son 7e but. Qui inscrit son 7e but dans ce championnat. Ibrahim Soumana part, il frappe et but à contre-pied. 67e minute. Égalisation, le doublé de Kone Soumana. Ah oui, il peut se frapper la poitrine. On l'a vu sur cette action qui a amené le pénalty de Ouattara Ibrahim. Voilà, il a pris des vitesses le défenseur Bouti. Kone Soumana qui est resté seul. Et c'est l'ouverture du score ici. Kone Soumana qui était tout seul sur cette action. Action. Son positionnement, il n'est pas en position d'hors-jeu. Non. Et c'est même un joueur du WAC qui touche le ballon. Il est même buteur. Voilà, il a suivi le ballon. Il a un réflexe. C'est toujours aller vers les buts. Allez là. Merci, Vincent Jean. Ibrahim Ouattara dans la surface de réparation, belle passe pour un but. Passe pour Kone Soumana. But. Passe pour Kone Soumana qui inscrit son 7e but dans ce championnat. Il déclenche son tir qui est contré. Récupérer cette passe. Amel Hervé. Pour Fouanda Souleyman. Le petit terrain de Chambrou, donc en principe, ce joueur-là doit être à l'aise techniquement. Je vous le dis, je vous crois, puisque vous avez joué ici. Eh bien sûr. Dans un maillot vert et rouge. Voici. Attention, le Racing Club, il va frapper Kone Soumana. Il a touché. Côté n'a pas été vigilant. Il y avait faute pour Tapsoba. Kone Soumana, il a coulissé un bon ballon. Dégage. Aridi Baki, ils sont revenus les anciens du club. Oui, c'est clair. Et ça fait du bien au club. Sekimosa qui récupère le ballon. Une faute commise sur Kelpiwat. Dégagé par le Racing Club. On repart tranquillement vers Kone Soumana. Lui aussi a disparu dans ce match. Mais un attaquant n'a pas besoin forcément de beaucoup d'action. Kone Soumana. Tu attends ses coéquipiers qui sont loin. Temporise. Et là, ça va vite. Ah, c'est bien joué. Il a envoyé le ballon dans les airs. Tu replaces ses joueurs, tu les permets de jouer. Il joue très bien. Et l'entraîneur adjoint de la SEC, Fabrice Guessan, pour l'instant, ça ne va pas trop. On vous a vu le plus tôt possible. Si vous voulez égaliser, faites-le avant la mi-temps. Parce que sinon, le Racing Club viendra avec de meilleures dispositions. Kone Soumana. C'est pas pour rien qu'il est international à Ivoirien. Kone Soumana. Regardez comment il a décroché pour venir chercher le ballon. Gros abattage. Dans son rôle de pivot là. Positionner Kone Soumana. Brahima. Il va donner à Soumana. Que les attaquants de la SEC jouent sans conviction. C'est Willy Bracciano qui n'a pas encore 15 minutes de jeu dans les jambes. Et Soumana. Il reste 4 minutes, on va dire. Voilà, 4 minutes dans le temps. Média levé pour Bracciano. Voilà. Le traditionnel est terminé là. Voilà. Soumana qui obtient une faute. Bien joué, Soumana. Merci. Avec Kone Soumana. Oh là là. Quelle puissance! Il a dit Kone Soumana. Lors de la deux. Il n'y a plus de présence, il n'y a plus. On joue parce que bon. On doit finir le match, là c'est bien Soumana joué ça. Qui va réduire la marque, sur ce ballon, ce coup franc rapidement joué. Ibrahim, Soumana part, il frappe et but à contre-pied. 67e minute. De son pied gauche. Les joueurs du Racing qui sont toujours les premiers sur le deuxième ballon. Voici, il a cherché Soumana et attention, il va frapper un but. But du Racing Club d'Abidjan. C'est dommage, j'avais un bon contrat. Et le Racing en phase offensive, le Racing, attention, si c'est bien joué, normalement. Cette équipe de RCA et les contrées, c'est carrément l'option tactique du côté de San Pedro. Et on va sur ce ballon, Ouattara Ibrahima avec Kone Soumana, c'est l'égalisation. L'égalisation à quelques secondes seulement de cette reprise. On l'avait dit, ce garçon, il fallait garder un œil sur lui. Et c'est lui qui redonne l'avantage et donc qui permet à cette équipe de revenir dans cette rencontre, revenir dans cette partie. Égalisation signée, Kone Soumana, il exulte de joie. Eric, c'était un beau coup pour cette formation du RCA. Ah oui, si. Et c'est mérité. C'était. Ils sont éblouissants. Brahima Ouattara, on l'a vu. Kone Soumana. Et voici Kone Soumana. On parle de ce garçon. Qu'est-ce qu'il nous fait, cela? Extraordinaire. C'est incroyable. Quel but impeccable.
poitrine. Il va prendre ce ballon et puis derrière, il frappe. But de Kone Zoumana. On parlait de 5 minutes, Khalil l'avait dit. Ils avaient encore l'opportunité, le temps pour revenir dans la partie. L'égalisation, le doublé de Kone, Kone, Kone Zoumana. Ce qu'il va faire Kone Zoumana. C'est le but. C'est le but, quel retournement. Son cinquième but. De la manière, je crois que c'était mais pas assez de précision. Et voici encore les Bassamois. Cette fois-ci, pense qu'il est le RCR qui va récupérer le ballon. On va y voir encore des garçons frais. Malheureusement, se retrouver dans ce match. On attend. Voilà. Et voici Kone Zoumana. La poitrine, très beau contrôle. Dans les couloirs. L'accélération que je pourrais mieux faire, c'est est-ce que le coach aura assez de. Aussi le cran de pouvoir gérer cette formation. Il vient à sa rescousse pour demander le ballon dans les pieds. Il avait beaucoup mieux à faire. Ça ne passera pas. Ouais, mais j'ai envie de dire que c'est. Voici Kone Zoumana. Il est mis sur arbitre. Kone Zoumana. Kone dans un duel. Avec, il va le lancer, centrer le ballon et personne derrière pour le. Très timide pour tromper le gardien. Kone Zoumana, c'est un conquérant. Il ne lâche pas l'affaire, il va obtenir un coup franc. Et Kone Zoumana, il cherche un soutien, Siloué. Ouais, là, ils ont deux bons gardiens entre Bayoulou et Sek. Mais moi, Bayoulou, c'est quand même un jeune gardien qui m'impressionne beaucoup. Déjà, par son envergure, sa pute dans ce championnat. Va dévier ce ballon pour Zoumana. Lui, il est dangereux, il va se retourner. La frappe, il me semble contrée. Legbo Dimitri, on va demander au coach tout à l'heure la raison de ce remplacement. Ah, c'est le latéral gauche qui va céder sa place et après Diabagaté, un long ballon, la poitrine de John, une récupération de Siloué Fousséni. Siloué qui a servi. Oui, il commence à prendre vraiment l'ascendant sur cette équipe. Là, on les et voit. C'est Kone Zoumana à l'entrée de la surface de réparation, il essaie de se retourner, il va servir son partenaire de l'aide. Ouais, ça fait plaisir à voir jouer. Il se transcende, Siloué Fousséni pour Zoumana. Zoumana peut-être va se mettre dans la danse avec Sekou. Va trouver sa confirmation avec ce but de... Je suis Kone Zoumana, regardez la position de Kone et de Zoumana. Il a décroché puisqu'il est trop ceinturé par Sidibé. Tout à fait. Décroché. Voici Ouattara Brahima. Ouattara va lever. Un but hors jeu indiqué. Il a dévié et qui est là? Zoumana. Zoumana, il protège bien ce ballon. Zoumana passe. Qu'est-ce qu'il va indiquer? Rien du tout. Oh là 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 là, je suis pas sûr. Ah, il faut qu'on revoie. Le ballon est levé dans la défense. Zoumana. Oh, c'est pas vrai. Hors jeu. Oh purée. C'est pas possible. C'est un réflexe pour lui. Ah, le ballon connaît Zoumana qui est seul. Et c'est l'ouverture du score ici. Et c'est l'ouverture du score ici. Kone Zoumana qui était tout seul sur cette action. Action assez bizarre, on dira, biscornu, il est resté seul dans la surface de réparation. Zoumana, regardez son positionnement, il n'est pas en position d'hors-jeu. Non, et c'est même un joueur du WAC qui touche le ballon. Il a bien suivi comme un buteur. Voilà, il a suivi le ballon en direction des buts. Lui, il a un réflexe. Levé la tête de Kone Zoumana. Ça passe à Yolou Claude. Il n'y a pas de position irrégulière encore. Ouh, cette frappe de Kone Zoumana. Positif dans cette équipe, toujours envie de marquer. Le Rascalé, on a le ballon du côté gauche. Alors il se démarque au premier poteau. Et il fait un peu ça. Voilà, il coupe la trajectoire. Il fait sa petite volée, pas tout à fait nette, mais qui repuie sur. Il fait comme Cristiano Ronaldo. Zoumana part. Zoumana frappe. C'est un but. Contre-pied parfait. Sixième but de Kone Zoumana, mais surtout. Ouverture du score ici à la 50e minute. Le Racing Club d'Abidjan mène devant le Sporting Club de Gagnoa. Un but à zéro. Oui, c'est mérité puisque cette équipe a beaucoup de grands. Cette équipe joue bien. Cette équipe a. Thank you.
Donc, il suffit d'une bonne occasion et c'est la frappe derrière de Ouattara.